The only problem concerns the operations. MONUSCO decided not to carry out the operations next to us because of the presence of these two generals. Why did you change to the two generals? And also, and separately, why did your country, your government expel the activists from Senegal and Burkina Faso about electoral issues? You were about to ask this question in French, so I'm going to answer in French. Bien. Okay. Bien. Pourquoi est-ce que nous avons nommé ces généraux? Je pense que c'est la prérogative de tout gouvernement de nommer ses cadres là où il veut, quand il veut, en fonction des besoins d'efficacité. Nous sommes en pleine restructuration de l'armée congolaise. Et tout le monde qui suit sait très bien que ça fait maintenant depuis quelques mois qu'on a commencé, après avoir mis en place, après avoir adopté et promulgué les lois sur l'armée, après avoir mis au point l'architecture de notre armée, on a commencé à procéder aux nominations aux fonctions de commandement. On a commencé par le sommet et c'est en train de se faire progressivement en allant vers le bas. Et il s'avère que pour ce niveau de responsabilité, les nominations ont eu lieu à ce moment-là. Et ça n'avait absolument rien à voir avec... Ça a été fait notamment en connaissance du travail qui attendait qui serait nommé là, c'est-à-dire notamment la capacité à mener et à produire des résultats dans le cadre des opérations. Mais, comme je l'ai dit, à aucun moment nous n'avions été informés par quiconque qu'il y avait quoi que ce soit qui était reproché à ces officiers. Donc ce n'est pas en connaissance de ceux qui éventuellement n'étaient pas acceptables qu'ils ont été nommés. Et je voudrais vous dire que ça a mis longtemps avant qu'on commence à nous dire « oui, il y aurait eu telle ou telle autre chose ». Et cela sans documentation jusqu'au moment où nous parlons. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces officiers ont été nommés et pour aucune autre raison. Monsieur le ministre... Vous voulez savoir s'ils ont travaillé avec les Nations Unies avant? Ils ont travaillé avec les Nations Unies avant. Et quelle opération? Mais, notamment dans l'opération en Ituri, dans l'opération contre la LRA, ils ont travaillé avec les Nations Unies. Vous pouvez leur poser la question. Les Nations Unies ont même dit que dans un cas, ils avaient même, sachant qu'il y avait un problème, ils ne l'ont pas dit, mais ils avaient demandé un waiver au niveau du système des Nations Unies. La question, puisqu'il y a moyen de demander un waiver, en fonction de l'importance de l'opération, cette opération contre les FTLR est une importation très importante de la vie de tout le monde, pourquoi n'a-t-on pas demandé un waiver? Pourquoi on a préféré créer l'incident? C'est aux Nations Unies à répondre. Monsieur le ministre,